Donc salut les amis, c'est MacWin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un dessin en 3D. C'est parti. Petit rappel, donc je ne vais pas vous montrer comment faire des dessins en 3D comme ceci. Parce que là c'est une autre sorte de 3D en fait. Donc, pour faire votre dessin en 3D, vous aurez besoin d'un crayon à mine et d'une feuille. Vous dessinez votre forme ou votre dessin que vous voulez dessiner. Donc après, vous prenez votre crayon de plomb. Vous faites ceci. Et voilà. Donc, vous voyez un peu le S en arrière. En fait, le S est comme recroqueté par en avant. Puis là, on a comme un effet de 3D qu'on le voit. Je vais vous donner un petit secret de cette technique. En fait, j'ai donné naissance à cette technique en cours. Voici quelques exemples. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais en fait, je l'ai faite sur dans mon cahier de d'univers social. Donc, si on voit sur la tête de sur le corps de Louis-Joseph Montcalm, on voit la 3D, en fait. On voit pas très, très bien sur Napoléon Ier, la porte de France. Donc, si je vais... Je vais regarder. C'est la preuve. On voit la trace. On voit très, très bien sur la caméra que ça descend. Holy shit! Donc c'est déjà fait cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, de la partager et de vous abonner. Très important. Salut.